Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Captive Minecraft. Alors, la dernière fois, on avait tenté de préparer des objectifs. Et j'ai dit que j'essaierais d'en faire plusieurs aujourd'hui, donc on va voir déjà le premier. C'est vous qui m'avez informé de comment j'allais pouvoir le faire, donc merci aux deux personnes, je crois, qui m'ont expliqué. À savoir que j'ai tout bouché pour que ça pop, parce que sinon avec les blocs de redstone ça éclairait trop. J'ai viré toutes les torches, etc. Et j'ai attendu d'avoir un zombie capable de porter un chapeau, donc j'ai tué quelques vaches pour prendre le cuir. Ensuite, et ben normalement, si je lui donne un diamant, hop, allez, on va essayer de faire ça correctement. Tada! Voilà qui est cool. Donc maintenant on va le tuer parce que quand même faut pas déconner. On récupère le diamant. Hop. Et on va pouvoir tout remettre en place. Aussi donc j'ai déplacé un peu le blé comme vous voyez. Là il y en a un peu. J'ai mis des carottes ici pour pouvoir éventuellement... D'ailleurs il y a un zombie qui a détruit une carotte. C'est pas cool. Comme ça on va pouvoir un peu reproduire des cochons. Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai fait un toit alors qu'il avait un chapeau, parce que au soleil le chapeau permet de ne pas le faire prendre à lui les dégâts, mais le chapeau prend les dégâts, enfin, le casque. Bref, la canne à sucre ça pousse très bien. Donc ça c'est nickel. Hop. On va pouvoir rééclairer un peu. Hop. Ici pareil. Et normalement on a accès au coffre qui est juste derrière, auquel on n'avait pas accès la dernière fois. J'ai vérifié. Voilà. Ok, un looting 3, des flèches, un slime block. Pourquoi pas? Justement, il y a un défi qui m'a été proposé avec un slime block. Mais je vais pas le faire tout de suite. Ah, il y a un petit problème pendant les changements de snapshot. Hey, poulet, tu fais quoi toi là? Hop. J'ai testé pas mal de snapshots. Je suis passée à la dernière, celle qui est sortie hier. Enfin, aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous. Il y a quelques petits bugs. La tête de Wither que j'ai mis dans l'entrée, elle est complètement buggée. Il y a aussi des bugs où, quand j'enlève des blocs, des fois je vois à travers. C'est. Oh, nul, c'est joli. C'est un peu bizarre. À force de changer de snapshot pour essayer d'aller sur des plus récents, je finis par avoir des problèmes. Donc je suis retournée sur la 14W19A. Moi, celle-là, il n'y a aucun souci. Et comme c'est celle sur laquelle j'ai commencé, ben, il n'y a pas lieu que ça ait des problèmes en fait. Et je pense que je ne changerai plus, sauf si vraiment j'ai du souci avec celle-là. Puff. Ça, on va le mettre là. Ici. Ici, je refais la déco plus tard. De toute façon, c'est pas ça qui est intéressant cet épisode là. On va voir autre chose. Eh ben, par exemple, ça, très bien. On a ça. Bon, on a ce qu'il faut. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va se faire un peu de sucre. Il nous faut un seul sucre, je crois. On va mettre au milieu 2 œufs, plein de lait, plein de blé. C'est pas comme ça. Comment on fait le gâteau? Ah, c'est super embêtant à retenir ces recettes là. Peut-être comme ça. Hop. Voilà. Plus de sucre. Le sucre c'est pour le glaçage. Voilà. J'essaierai de le retenir comme ça. Voilà, the cake is a lie. Donc on augmente pas mal, ça c'est cool. Et est-ce qu'il y a de la place là-dedans pour le poser? Je sais pas. Bon, on le posera plus tard. On va le mettre dans le coffre à bouffe pour l'instant. Ça aussi, les carottes, le poisson, looting 3. Pourquoi il pourrait me servir? Pour les vaches éventuellement. Ça, faudrait que je le mette à cuire.
Il y a aussi l'achievement Sniper Duel que j'avais commencé à préparer. J'avais commencé à tourner l'épisode, je n'ai pas réussi à le faire alors que en fait j'avais fait la plateforme. J'avais fait une première plateforme là, mais c'était trop bas. Alors il y en a une deuxième qui est juste à ce niveau, c'est-à-dire à la limite où on ne peut plus voir les mobs. Ici on est en 64, là-haut on est en 120 quelque chose. Donc clairement il y a largement les 50 blocs. Mais impossible d'avoir l'achievement, alors je sais pas trop pourquoi, ce qui fait que j'ai laissé tomber. Je me suis dit que soit l'un de vous m'expliquerait, bah non c'est normal sur cette snapshot il est buggé, ou non tu t'y prends mal, je sais pas. Concrètement j'avais jamais essayé de le faire avant, j'ai dû le faire sans faire exprès, mais j'avais jamais vraiment essayé de m'y consacrer. Toi tu vas venir. Ça on s'en fiche, ça va là. Peut-être qu'on va avoir accès maintenant à autre chose, mais de toute manière. 1, 2, 3, 4, vous savez ce qu'on va faire. 1, 2. Je vais aller récupérer les diamants qu'il y avait sur ce bloc, enfin sur cette structure. On va les mettre ensemble, il nous faut un bouquin, donc il faut qu'on tue une vache supplémentaire. Hop. Voilà, parfait, ça a donné du cuir. Un canne à sucre, il nous en faut 3, on en a 8, c'est génial. Hop, un bouquin, ça. Et voilà. Bon, ça y va les enchantements, les achievements, c'est cool. Ah oui, par contre, du coup. Bah si, c'est la snapshot de base, mais j'ai pas le bon ressource pack. Est-ce que j'en ai un? Pof, pour là 1.7, toi tu reviens. Au pire, je fais une petite ellipse et je mets le dernier que j'ai téléchargé qui date de mi-juin et qui lui contient tout ce qu'il faut. Alors, back. Ouais, non, bon, je reviens tout de suite. Bon, a priori, en fait, le ressource pack ne prend pas en compte la table de craft, donc c'est pas grave, je sais qu'il y a les deux emplacements. Et je viens de remarquer qu'il y a un cochon qui est apparu, donc je vais voir si j'arrive à. J'ai des carottes, je dois pouvoir le faire venir. Hop, regarde, allez, viens. Quoi, tu sais pas venir? T'es pas très très doué, hein, tu sais. Ouais, bon, pas grave. Pas grave, pas grave, c'est ça. Hop. Donc, on va mettre la nourriture ici. Ça, je le monte. Ça, je garde. Ça, on vire. On va les dépenser d'ailleurs. Voilà. Alors, achievement, où en sommes-nous? Ça, c'est fait. Ça, et ça va pas être simple à faire. Ça, il faut qu'on fasse une table de. Une table, ok. Une bibliothèque, ça devrait être jouable facilement. Hop, hop. Deux. Trois. Hop, canne à sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va là. Hop. Trois bouquins. Il nous faut un peu de bois. Le bois, je l'ai mis à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup. Voilà, Librarian. Et on augmente pas mal. Par contre, je vais mettre quelques torches parce que ça va pas aller. Et on s'approche du coffre, hein, mine de rien. Encore 1, 2, 3, 4, 5 achievements pour l'avoir. Hop, celui-ci, bon, on l'a tranquille maintenant. Hop. Et celui-ci, encore un. Alors, on va voir ce qu'on peut faire comme achievement. Hop, voilà, je crois qu'on est bon.
Alors, non, c'est pas dans les options. Ok, donc ça c'est fait. Brewing stand, on peut se faire un brewing stand, ça y a pas de souci. Alors, notre blaze rod, elle est où? Hop, elle est là. Nickel. Maintenant, il faut se faire des potions. Il faut qu'on récupère du coup du sable. Du sable, il doit y en avoir par ici. Mais oui. Hop. 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 On va faire chauffer ça. Je pense que d'ici le prochain épisode, j'allongerai un petit peu la maison. J'ai assez de pierres. Au pire, j'irai en chercher. Et comme ça sera plus sympa. Parce que là, c'est quand même un peu petit. Alors, on dépose ça. Ça. Le bois, on va le mettre ici. Avec ça. Oui, le cochon, je sais que tu es là. La viande, hop, ça va là-haut. L'œuf, on va le jeter. Et voilà. Alors, le verre, j'ai bon, c'est ah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va faire ça, ça, ça. Par contre, Netherwort, je vais pas avoir. Donc je suppose que c'est dans un des coffres. Lequel, ça, je ne sais pas. Si, alors, je sais plus si je vous l'avais montré. Je crois que je vous l'avais montré en épisode. Mais là-haut, il y a un coffre. Donc je vais essayer de l'atteindre. Ici, j'ai terminé, c'est-à-dire que l'échelle monte jusqu'en haut. Maintenant, au début, j'ai pris soin d'enlever les blocs qu'il y avait dans les coins. Après, j'en ai eu marre parce que c'était long. Donc, tant pis, il y aura des blocs qui ne servent à rien ou éventuellement des mobs peuvent popper, mais vu que c'est là-dessus, c'est pas gênant. Donc, c'est presque là. C'est ici, en haut de l'arbre. Alors, je pense que maintenant, je peux l'atteindre. Hop, montons. Hop. Ma hache va lâcher par contre, c'est pas grave, j'irai à la main pour le reste. Heureusement que ce n'est que du bois. Donc, j'aurais aussi pu monter avec des blocs, oui, mais comme ça c'est fait, je pourrais y accéder encore et encore. Il est où? Bon, on continue. On va avancer par ici. Je pense qu'ensuite je vais passer sur le côté. Oui, parce que de toute façon, en face, il n'y a plus de tronc. Ah, il est là, le coffre. Waouh. Alors, on a plein de choses. Fortune 2. D'accord. C'est bien, fortune, looting, tout ça, mais j'aurais préféré avoir directement un sharpness, par exemple. Histoire de piquer un peu le mob pour faire l'achievement. Au-dessus, je crois qu'il n'y avait rien. Par contre, quelque chose qu'on peut faire. Hop. C'est l'achievement avec le ghast. On va voir si on a un ghast qui pop, ce serait cool. Et ceci fait, eh ben, on n'aura plus qu'à tenter de lui renvoyer sa boule. Par contre, je crois que je n'ai pas de pierre sur moi, de cobble, vu que je l'ai laissé en bas. J'ai du bois. Et vous savez que j'aime bien mettre du bois là où ça flambe. Les potions que je pourrais faire, bah dans tous les cas il me faut de la netherwort. Sauf si dans un coffre quelque part on a directement des potions awkward. Ça pourrait être intéressant aussi. Alors, ah oui, on a un gaz, je l'entends déjà. Ça c'est bien, mais c'est pas hyper solide. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre de la cobble un peu partout.
histoire d'avoir quelque chose d'un peu solide. Hop, hop. Je me suis fait plein de flèches du coup pour le défi avec le squelette. Où est-il? Il est descendu? Je pensais qu'il était passé par là, a priori non. J'ai un peu peur de trop me pencher. Enfin, s'il est en dessous, c'est un coup à mourir très bêtement. Cela dit, on n'entend plus. Où peut-il bien être? Je sais qu'il avait popé pas très loin. Oui, non, je n'ai plus de hache. Hop. Allez. Bon, éventuellement, je vais vous refaire une seconde ellipse le temps qu'il y en ait un qui pop, parce que là, clairement, il n'y a aucun intérêt à rester. Tant qu'il n'y en a pas. En plus, il y a des petits coins sécurisés, c'est cool. Mais est-ce que ce serait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à cette obsidienne? Parce qu'il y avait un intérêt à l'obsidienne qui était en bas. Oui, non, celle-ci n'a aucun intérêt. Juste pour se cacher. Hop, hop. Ouais, on va faire ça. Je vais me mettre. Je vais voir si je peux faire des allers-retours, si ça peut pas en faire repopper. Et dès qu'il y en a un nouveau, eh bien, je vous reprends. Ah! Non, remonte, remonte. Bon, a priori, je suis redescendue, je suis remontée, j'en ai entendu un. Oh, une witch. Ok, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, elle m'a donné du sucre, pourquoi pas. Ok, donc, je sais pas où il est, mais... Il y a un gaz quelque part. Là. Ça, c'est cool. Ça, c'est moins cool. Comment je peux attirer son attention? Ah bah voilà! Il va venir de lui-même? Non? Oh là, t'es où, Coco? Ah mais il me troll en plus! Hé, le ghast! Mais reviens! Y a une autre solution, mais je l'aime pas trop, c'est de me mettre là-dedans. Allez, allez, là tu peux me voir, tu peux me voir.
Non! Ah. Alors, où est-ce que je peux m'arrêter? Ça fait loin quand même. Là, on entend un squelette. Mais on entend toujours le gaz, ça c'est bon signe. Ouais, on l'entend encore. Tu ne dépopes pas. Le ghast, descends. Regarde, je suis en bas. Je suis pas hyper sécurisée ici. Et le ghast. Bon, j'essaie de casser au milieu. C'est dangereux, mais je peux, hein. La cobble, c'est résistant. Alors, où est-ce qu'on casse? Hop. Là où il y a de la terre, c'était pas trop mal niveau hauteur. Ah ouais, c'est pas trop mal. Par contre... Hop là. Ouais, non, mais tout va aller bien. Tout va aller bien. Vas-y, tire, tire. Tire encore, tire encore. Allez, vas-y. Non, reviens, reviens. Allez! Là, je vois pas. Allez! Mais non! Mais tire pas là! Allez, allez! Non! Allez! Ouais, je manque d'entraînement. Oh, dommage. Dommage aussi. On va finir par l'avoir. Dans peu de temps même. Ouais! Ouais! C'est trop cool! Hop. Alors, on remet ça. Hop. Voilà. Nickel. On va essayer de se quitter sur la petite plateforme. Elle est où la plateforme? Oh, elle est loin. Ben non, en fait, c'était en dessous. Ah là là. Il nous reste un coffre que je sais qu'on peut avoir. Mais vu où on en est dans l'épisode, je pense que vous aurez la surprise pour le prochain épisode. Hop, voilà la plateforme. Hop. Et en bas, on a accès à un bout de plateforme aussi. Bon, bah du coup on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Au prochain, qu'est-ce qu'on pourra essayer de faire? Ça, non, clairement, non. Celui-ci, il faudrait qu'on ait une selle. Donc ça va dépendre seulement de si on en trouve dans un coffre ou pas. Ça c'est fait, c'est fait. Celle-ci, je vais essayer de me faire une épéchité d'ici la prochaine fois. J'ai pas beaucoup de diamants, alors ça va pas être facile, mais je vais essayer. Ça, et ben si on en trouve dans un coffre, donc la prochaine fois.
Ça, on va voir où on en est en bas. Et puis, on ira au reste, du coup, à ce moment-là. Requires the beginning. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je vous dis donc à la prochaine. Ciao, bye bye!